Ça suffit. Je démissionne. C'est ce qu'a fait un homme qui a fait 40 ans dans une église. Un truc hors du commun. Toujours des nouveautés. Nous sommes en 2020 et nous sommes sûrs. On se parle. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Bonjour à tous. J'espère que vous portez très bien. Que se passerait-il si vous étiez dans une église et que là-bas vous constatiez des bêtises, des choses qui sont même contraires à la loi, contraires à la parole de Dieu, un truc de ouf. Nous voulons tout savoir aussi, nous voulons tout découvrir. Après avoir constaté toutes ces choses, un homme a décidé de prendre son courage et de venir devant les gens de sa congrégation et leur dire, je démissionne. Suivez-nous, allons voir ça. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte à merveille. Si c'est le cas, Dieu merci. Si ce n'est pas le cas, que Dieu vous donne la force et le courage de pouvoir tout surmonter, de surmonter toutes les épreuves de la vie. Je dis, Seigneur. Mais quand on voit ça, c'est encore plus grave. Je démissionne. Et comme vous pouvez le voir, pendant que cet homme était en train de lui donner sa démission, il a été interrompu par des personnes de la même congrégation. Qui sont même venus jusqu'à lui enlever le micro de la bouche. Regardez la position du micro et la position de la bouche de cet homme. Parfois, la vérité blesse les gens. Et les gens ne veulent pas que les vraies choses soient découvertes par les gens. C'est que si vous voulez voir ça, un truc hors du commun. Regardez. Comme vous le voyez, c'est écrit juste en bas. Nous allons lire pour vous. C'est un Allemand, c'est un frère allemand qui va rendre sa démission. Il dit, avez-vous entendu que l'Esprit Saint a été retiré du baptême? Ça, c'est la question qu'il pose à la congrégation. Écoutons. Je suis ici depuis près de 40 ans et cela m'émeut énormément que les choses soient traitées ici. Malheureusement, ce qui est mauvais, c'est la maltraitance des enfants et tout cela va dans la mauvaise direction. Jean, cette personne est en train de dire qu'elle a remarqué beaucoup de choses, comme la maltraitance des enfants qui a lui-même là-bas dans sa congrégation. Et elle nous explique, elle nous donne les raisons de sa démission. Il a déjà été pavé plus de 35 millions d'amendes. Il a déjà été plutôt payé, il a déjà été payé plus de 35 millions d'amendes. Mais l'organisation, la tour de garde, essaie de cacher tout cela. Là, cette personne était en train de dire qu'à cause des problèmes de maltraitance d'enfants, des choses bizarres qui ont lieu sur les enfants, ils ont été taxés. Bon, finalement, ils ont payé plus de 35 millions d'amendes. Mais la plupart des gens qui sont là-bas ignorent cela. Prière. Là, cette personne va se mettre à prier. Et cette personne va dire, Notre Père Tout-Puissant qui est au ciel. Pendant que cette personne va se mettre à prier, voici des gens qui arrivent comme des gardes de corps pour essayer de l'interrompre dans son élan. Mais cette personne va continuer tout de même à prier. Déjà, vous voyez ici, on nous dit, j'espère que vous accepterez cette prière si je parle devant vous. Mais apparemment, il y a des gens qui n'acceptent pas cela. Et déjà, ils sont venus comme des gardes de corps pour essayer de l'empêcher de poursuivre ses allégations. Et mais cet homme va aller jusqu'au bout parce que apparemment il est déterminé à dire la vérité et à sauver ses frères. Il continue et dit, nous l'acceptons si vous quittez notre assemblée.
Et là, c'est deux personnes qui sont là qui sont venues pour dire que nous allons accepter votre prière si et seulement si vous acceptez de quitter ce lieu, quitter notre assemblée. Maintenant, cet homme va poursuivre pour dire, veuillez accepter au moins ma dernière prière. Je n'avais pas vu ça. Veuillez accepter au moins ma dernière prière. J'ai dit non, je ne veux pas accepter ta prière ici, il faut quitter, c'est tout. Apparemment, il ne s'attendait pas à ce que cet homme-là prenne de telles décisions après 40 ans de service. Que va-t-il se passer? Regardons-nous, nous avons les yeux pour voir. Non? Regardons. Veuillez accepter au moins ma dernière prière. Père céleste, tout-puissant, j'annonce officiellement que je quitte les témoins de Jéhovah. Avez-vous vu ça? Non, j'ai pas bien compris. Sa dernière prière est ici. Il parle à Dieu, son Père céleste, et il dit, Père céleste, tout-puissant, j'annonce officiellement que je quitte les témoins de Jéhovah. Pendant qu'il était de parler, voici qu'il lui a enlevé le micro. Un homme qui est censé parler à Dieu, au Père céleste, en plus au Dieu tout-puissant. Vous lui arrachez le micro comme ça, comme si vous n'étiez pas des chrétiens, ben, c'est un soi-disant chrétien. Moi, je ne comprends pas. Non, non, non. Revenons un peu en arrière, vous allez voir ce qui s'est passé. Regardez très bien. J'espère que vous accepterez cette dernière prière si je parle devant vous. Nous l'accepterons si vous quittez notre assemblée. Veuillez accepter au moins ma dernière prière. Père céleste tout-puissant, j'annonce officiellement que je quitte les témoins de Jéhovah. Et le micro a été retiré. Mais cet homme continue à prier. Et dit par la suite, au nom de votre Fils Jésus-Christ, Amen. Donc, Père céleste, j'annonce officiellement que je quitte l'assemblée. Que je quitte les témoins de Jéhovah au nom de votre Fils Jésus-Christ. Amen. C'était sa dernière prière. Et cet homme va maintenant partir. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Quel courage cet homme a eu pour venir faire tout pareil. Quel courage. Quel courage. Je vous laisse regarder encore l'intégralité, tout ça, sans interruption. Ich hoffe, dass ihr das Gebet bitte akzeptiert, wenn ich das vor dem Schöpfungssprecher kriege. Ich möchte bitte schön, dass ihr das akzeptiert, wenigstens das Gebet. Allmächtiger himmlischer Vater, ich erkläre hiermit öffentlich, dass ich den Austritt bei den Zeugen Jehovas hiermit öffentlich erkläre. Und dies bin ich dir da durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Et il quitte la congrégation, il quitte l'assemblée. Et il s'en va. Mes frères et sœurs, regardez, regardez. Et cet homme maintenant, il est en train de replacer le micro. Il est en train de replacer le micro. Voilà. L'enfer sera rempli des faux chrétiens, des imposteurs, des menteurs, des gens qui passent à mentir pour mentir seulement au champ. Mais à un moment donné, les gens commencent à se réveiller. Les gens ne sont pas bêtes. Dis à ton ami qu'à côté, les gens ne sont pas bêtes. Dis à ton ami qu'à côté, les gens ne sont pas bêtes. Les gens commencent à ouvrir les yeux. Nous sommes en 2020. Je vous ai dit, en 2020, tout ce qui est caché sera révélé. C'est une année de révélation. Parce que Dieu veut faire de grandes choses
dans les futures années. Donc, il faut que les choses de la base, les piliers, les mauvais piliers, les mauvaises choses soient vraiment dénoncées, dévoilées, afin que les gens puissent bien avancer, bien voler dans les années qui vont venir. Ah, vous êtes dans une église et il y a des trucs pareils, vous voyez ça, mais vous ne parlez pas, vous ne comprenez pas. Cet homme a été vraiment courageux. C'est tout terrible. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était sa dernière prière. Quand il a commencé à prier, il a dit, « Oh Père Céleste, je rends officiellement ma démission au témoin de Jéhovah. » Il parle à Dieu et il dit à Dieu ce qu'il se prépare à faire devant l'assemblée. Et heureusement, quelqu'un a eu l'intelligence de filmer ça. Si ce n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. C'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je n'ai jamais vu, c'est une première fois. Mais je suis déjà quand même touché, dépassé. Les gens sont vraiment courageux. Qu'est-ce que cet homme va faire? Il va bien évidemment continuer à prier son Dieu, le Père Céleste. Et je vous garantis que Dieu va écouter cet homme. Dieu même peut l'utiliser pour faire sortir de l'ombre toutes les personnes qui sont emprisonnées par des religions du diable. Dites-moi ce que vous en pensez et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous en parlerons, nous ferons des choses hors du commun. Vraiment, c'est terrible. Peut-être que vous êtes dans une église où vous voyez le pasteur même qui est en train de coucher avec les filles de l'église. Vous voyez ça, vous n'êtes rien. Et vous êtes dans ça. Que Dieu vous aide à avoir le courage de dévoiler tout ce qui est mauvais et avancer sur le bon sentier, sur le bon chemin. Partagez-vous à vos frères et dites-nous surtout ce que vous en pensez. Nous aimerons voir votre réaction. C'est parti.